Après la pub, mais à l'étranger avec Thomas et Hervé. On disait juste avant la pub, justement, que côté pub, on parlait beaucoup d'héritage dans la pub. Avec notamment ce moment très, très cinématographique où vous êtes dans le bureau du notaire. Personne ne sait ce qui se produit. Seul le notaire, lui, il est, il est normalement, justement, assermenté pour ouvrir la fameuse enveloppe. Alors ça, cette ouverture d'enveloppe avec tout le monde autour qui attend, c'est vraiment un grand classique de la pub direction l'Argentine. Estamos aquí reunidos para dar curso a la voluntad del señor Montenegro de proceder con la partición de sus vastos bienes. A Alberto, mi querido hermano, le dejo el 33% de las acciones de la empresa, mi colección de autos, esta mansión y también mi villa de 2.000 hectáreas en la... Mais c'est génial parce que là, c'est un court métrage. Mais vous avez compris, quand vous mettez les rieurs de votre côté, automatiquement, on regarde de quel produit il s'agit. Donc là, c'est gagné. Alors attention, maintenant, direction la Belgique avec une toute autre conversation. Là, il n'est plus question du tout d'acte notarial. Oui. Non, c'est deux copines qui discutent, dont une, vous allez la reconnaître, c'est Alexandra Cazan qui a officié sur une chaîne concurrente. Et vous allez voir, la conversation est particulièrement acide. La dernière fois, j'étais malade toute la nuit avec tes biscuits. Non, puis je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour parler de l'héritage. Alors voilà, on va garder la maison des parents. Tu pourras garder les meubles. De toute façon, il est temps que ça change ici. Hein. Par contre, le chien, tu pourras le garder. Ça te fera de la compagnie. Bon, je garde les bijoux de maman. Tu pourras garder ses robes. Moi, je flotte dedans. La vieille horloge, c'est pour nous. La tondeuse, c'est pour vous. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que maman meure. Ah, génial. Voilà, oui. L'eau qui purifie tout. C'est pas de l'eau bénite, hein, on est d'accord. C'est pas de l'eau bénite, mais elle a quand même le pouvoir de purifier même les pires horreurs. Et on va terminer avec l'Argentine. Parce que, à propos d'eau bénite, on retourne en Argentine. On retourne en Argentine parce que vraiment, vous savez, c'est un pays avec une créativité absolument folle. Ouais. Du fait notamment qu'après la dictature, ils se sont totalement libérés, ils se sont dit, OK, on y va, on a le droit de pouvoir s'exprimer. Donc, ils y sont allés, y compris dans la publicité. Et là, vous allez voir, à mon avis, c'est le plus réussi sur l'héritage. Hola, vieja. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Perdóname que te moleste, pero tu tío abuelo andaba medio mal, ¿sabes? ¿El millonario? Sí, parece que anduvo con mucho nervio. Sabías que los negocios no le estaban yendo bien, ¿no? No estaba al tanto. Además, yo no sé por qué se anda haciendo problema con la fortuna que tiene afuera. ¿Ah, tiene afuera? Sí. Mira, no sabía. Sí. Y grande, ¿no? Grande para algunas cosas. Ahora anda con una nena de 22 que dice que se quiere casar, que quiere viajar, mamá, nos va a fundir a todos. Mamá, basta, ya está, no te hagas problema, va a estar todo bien, vas a ver. Te voy a dejar porque tengo que salir con Andrea, que la tengo que pasar a buscar. Te mando bueno, un beso. Bueno, okay, hijito. Chao, vieja. Chao, mi amor, chao. Voilà, là, vous ne pouviez pas réveiller. Exactement, il t'est mis à est. Bon, pourquoi on parlait d'héritage? C'est parce qu'effectivement, en fin de semaine, on aura... peut-être pas le dénouement, mais en tous les cas, un élément important dans l'affaire de l'héritage, le plus, l'affaire qui agite le monde. Oui, l'affaire à l'idée, ce sera vendredi, je crois. Vendredi 30 mars. D'accord.